Tiver aqui Blood Brothers. DJ Paulette, on avait très envie de la faire venir, vu que c'est quand même une DJ référence, une grosse référence, qui a été élue d'ailleurs meilleure DJ de l'année. Le DJ, c'est quelque chose, j'ai tombé un peu dedans, et c'est quelque chose, j'ai pas vu quelqu'un fait dans la même façon que moi. On essaie de faire une programmation de qualité, avec des artistes de qualité. Autant sympathique que très très fort au niveau technique. Moi je ne suis pas quelqu'un qui suit un chemin ou un autre, je suis tout le monde, j'aime tout. Comme on dit, vous allez voir ce que vous allez entendre. Pour moi, les boîtes de nuit sont créées en principal pour ça, pour rencontrer les gens, pour faire danser, pour s'amuser, franchement, pour avoir une bonne soirée. J'ai essayé de créer une ambiance super happy. Des fois, j'ai mis des morceaux qui tapent un peu. Je ne suis pas une fifi derrière les platines non plus. Elle a mis le feu, elle s'est éclatée. Elle a duré au-delà de ce qu'elle avait, de ce qu'elle nous avait demandé. Donc ça prouve bien qu'elle s'est amusée, qu'elle a pris plaisir à mixer. Ici à Castres, mon début c'était super bien et j'ai bien kiffé la soirée. Maintenant, je suis fatiguée, je suis crevée comme tout le monde d'autre. Mes pieds sont cassés. C'est la première et la dernière fois que j'ai fait un show en talons hauts de 10 cm. Et merci à tout le monde ici à Castres pour être venu et à très bientôt. Merci d'être venu, merci à Mad TV d'être venu. Et voilà, c'est le cœur de l'amitié, des bonnes soirées. Et voilà, et surtout, n'oubliez pas le Pop Art et le Quartier Latin.